Salut à tous, ici Detect 34. Et ben retour sur la plage de Valras plage, car l'Espagne on a bien un problème, on a dû retourner d'urgence. Donc tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Si on peut faire en juillet, août, je crois pas, peut-être en septembre, on va voir. Donc sur ce les amis, voilà, un petit retour sur la plage. Il y a des campings, j'ai vu que c'était un peu rempli. Et là ils sont en train de reconstruire le petit restaurant. Voilà, la mer elle est calme, il fait beau, il va faire 25 degrés aujourd'hui, c'est cool, toute la semaine il va faire bon, donc il y aura la détection dans les champs, la détection dans les vignes, et des petites promenades en montagne. Voilà, sur ce, je voulais vous faire voir quelques monnaies que j'avais trouvées en Espagne. Ce sont des pesetas, voilà, des pesetas, regardez, je les ai nettoyées, et elles sont magnifiques, voilà. Voilà, des petites pesetas. Alors celle-là, elle est de 1971, je crois. Ou 75, celle-là. Hein. Et celle-là, elle est plus récente. 1997. Enfin, je crois. Hein. Voilà, des belles petites... Ouais, 1997, ouais. Voilà, des belles petites monnaies espagnoles trouvées là-bas à Roses. Voilà. Et sur ce, j'ai un petit son, donc on va regarder ensemble. Le petit son, allez, je vous reprends. Voilà, là, ici, il a un petit son. Ouais, ça a l'air de bien sonner, dis donc, là. Ah, regardez, je vois une tranche, là. Une petite tranche, là. Là, un petit 20 centimes. Ouais, c'est un 20 centimes d'euros, ça. Ouais, un petit 20 centimes d'euros. On va regarder s'il n'y a pas encore. Parce que ça sonnait bizarre quand même. On va voir ça. Ah ouais, il a l'air d'en avoir plusieurs apparemment. Ouais, là, on va regarder ça les amis. Tranquillement mais sûrement. Ouais, il y en a partout là. Il y en a partout. Allez, on va vérifier tout ça. C'est caché, là. C'est bien caché. Ah, dans la main. Ah, il y en a deux. Ouais. C'est 10 centimes ça. Ouais, 10 centimes d'euros. On va le mettre sur la pelle. On va mettre comme ça, tiens. Voilà. On va regarder si on en a encore. Apparemment, il y en a encore. Hein. C'est une boursée, les amis. C'est une boursée. Là, c'est quoi ça? À 20 centimes d'euros. Il y en a encore, on dirait. Dix centimes d'euros. On va reculer pour voir si on a encore. Ouais, c'est pas mal, disons, ça commence bien. Hein, bon, il n'y en a plus. Voilà, donc ça commence fort bien. Alors, c'était combien déjà? C'était là, ici, je l'ai remise. Donc, il y avait 20 centimes. 20 centimes d'euros là. 20 centimes d'euros, 10, ouais. Voilà, un petit 2, 4, 6, un petit 70 centimes. Bon, bah allez, on continue, hein. Allez, les amis. Ah, au prochain son. Allez. Allez, les amis, il y a un avant-goût des vacances qui arrivent bientôt. Hein. On est au mois de mai. Hein. Ah, il reste pas grand-chose pour vous profiter. Voilà, hein, mer belle. Magnifique. J'avais envie de se baigner. Hein. Mais bon, j'ai pas le maillot de bain aujourd'hui. croyez-moi, je me serais baigné. Hein.
Mais bon, qui sait, hein. Allez, on continue. Voilà, il y a un petit son là. Ça a l'air de vachement bien sonner là, dis donc là. C'est sorti. Ouais, ça a l'air d'être terrible là. Ah, c'est dans la main. Ah, regardez. Magnifique. Une belle bague. Et ben une belle bague en argent, les amis. Ouais. Elle est magnifique. On va poser ça là-dessus. Là. On va se mettre par rapport au soleil. Un peu abîmé quand même. Hein. Ah ouais, elle est belle. Hein. Et puis c'est bien une bague, hein. C'est pas un anneau, hein. C'est pas un, enfin, c'est pas une rondelle. Hein. Il y a la. Regardez, on voit les poinçons. S'il veut bien montrer le portable des poinçons. Voilà, regardez les poinçons. Wow, magnifique. Hein. Franchement, là, c'est une belle découverte. Hein. Punaise. Ouais, elle est belle. Hein. Voilà, petite bague, petite alliance, hein, perdue malheureusement. Bon, allez, on continue. Alors, encore un son, mais juste à côté de la bague en fait. Les gens, ils sont venus, hein, paraît-il, ce week-end, ce qu'on m'a dit. Parce que je connais quand même 3-4 personnes dans le coin là. Bon, ça peut pas être creusé profond, de toute façon, s'ils sont venus il y a récemment, ça veut dire que c'est pas tellement profond. Ouais. On va se mettre par rapport au soleil, les amis. Allez, c'est parti. On va regarder. Ah, c'est là. Ah, là. Là. Un petit 20 centimes d'euros. On va regarder s'il n'y a pas autre chose. Apparemment il y a autre chose. C'est caché où? C'est caché où? Ah, je trouve pas. Voilà. Ouais, c'est là quelque part. Là. Un petit 50 centimes. Waouh, ça commence bien. Hein. Petite 50 centimes et une petite 20 centimes à côté de la bague. On va voir, on va regarder s'il y a autre chose. Non, il n'y a plus. Bon, ben voilà. Hein. Là, ça fait une demi-heure que je suis là. Ça commence bien. Ça commence très bien. Allez, on continue. Là, il y a un petit son là. Regardez là. C'est sorti, c'est sorti. Mais bon, c'est dans la main. Il y a un petit 20 centimes d'euros. Voilà, un petit 20 centimes d'euros. Ah, bah disons, hein. Ils ont perdu les gens aujourd'hui. Hein. Enfin, ce week-end surtout. Bon, bah c'est parti, là. Là, il y a un petit son, là. Putain, j'aurais dû me mettre en... Désolé, mais j'aurais dû me mettre en short. Putain, ça tape, là. Ça tape, les amis. Ça tape. Alors, c'est où? Ah, c'est dans la main. Au soleil là, un petit 10 centimes d'euros, je vais les poser là, voir s'il y a autre chose.
Ouais, il y en a encore, apparemment. Dans la main. Et voici un autre 10 centimes d'euros, les amis. On va regarder s'il y a encore. Non. Voilà. Petite boursée de 20 centimes. En monnaie de 10 centimes. Bon, bah, ça se voit qu'ils sont venus hein, ce week-end. Hein. Allez, on continue. En fait, je vais me diriger pas ce côté-là, pas côté Valras même, parce que les plages, elles sont quand même assez larges. Donc, c'est, ouais, bon, il y a un petit endroit où tu peux faire de la détection. Mais à mon avis, c'est déjà fait par là. Hein. Donc, moi, je reste sur ce côté-là. Et je m'en vais par là, plus ou moins par là, pour voir s'il y a des petits, bon, pour s'il y a des petits sons encore. Mais de toute façon, il y a eu pas mal de sons, hein, depuis là. Hein. Depuis que j'ai commencé de la maison marron, là. Jusqu'ici, hein, il y a eu pas mal de sons. On va voir si ça continue. Et la vidéo va bientôt se terminer. Je suis à 11 minutes. Bon, allez, on stoppe de parler et puis on continue. Voilà, je constate que plus je m'éloigne, moins. Donc je crois qu'on va changer de plan. On va direction la ville. On va continuer après encore une petite demi-heure. Ici, il n'y a rien. Et ben, on partira. Allez, on continue à voir là-bas où se trouvent gens, où se trouvent personnes là. Et on verra ce que ça donne. Allez, à tout à l'heure. Bon, il n'a rien du tout les amis, donc je vais faire un demi-tour et on va se retrouver là-bas. Au fond, il y a la petite ville. Là, il n'y a pas le choix, parce que là, ça fait bien un bon 25 minutes que je ne touche pas à quelque chose. Donc on va faire le bilan de cette petite heure et demie, plus ou moins. Et je vous retrouve plus tard du côté de la ville. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, moi je veux m'en aller vers la ville là-bas. Donc le petit bilan de 1h15 plus ou moins, 1h15, 1h30, j'ai pas bien vérifié l'heure en fait. Donc voilà, les petites trouvailles de ce 1h15, 1h30. Plus ou moins, hein, je me rappelle pas vraiment. Je me rappelle plus à quelle heure j'ai commencé, mais bon ça a été cool. Ça a été pas mal de découvertes, hein, des belles petites monnaies de 20 centimes, 10 centimes d'euros. Et cette belle jolie bague en argent. Qui est magnifique. Ah, elle est belle hein. Franchement c'est ça a été les 1h15 là c'était bien hein. Donc je m'en vais là bas et je vous retrouve si je trouve des petits sons dans la ville au fond. Allez, à tout à l'heure les amis. Je vous fais voir une dernière fois la mer. Voilà, allez on continue. Peut-être une prochaine vidéo.